Salut tout le monde, c'est Raph, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de GTA San Andreas, qui est resté presque un an à l'abandon, ça commençait à faire quand même. Et alors petite nouveauté que je vais vous faire pendant ce let's play, alors ça me demande beaucoup de travail, donc j'espère que tu vas apprécier mon gars. Parce que j'ai pensé à toi, imaginons que t'as envie de te branler comme ça. T'as envie de te branler, t'as envie de regarder ma vidéo mais t'as aussi envie de te branler, tu vois. Alors t'as deux solutions. Maintenant, soit tu vas voir la version longue de ma vidéo qui est disponible dans la description, c'est-à-dire une version où il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, c'est juste on me voit ma gueule, on voit le gameplay et c'est tout quoi, c'est vraiment tout simple. Soit, tu regardes ma vidéo en version condensée qui est ici même, et puis ensuite tu te rends sur ton site porno préféré. Alors à noter que les vidéos version longue seront disponibles uniquement, et je dis bien uniquement, dans les descriptions des vidéos des versions courtes, puisque en fait c'est des vidéos que je mettrai en non répertorié si vous voulez. Du coup, elles ne seront pas disponibles dans votre module d'abonnement. Tu sais le truc que t'as, ta page d'accueil sur, sur YouTube. Ça sera pas disponible là-dessus, c'est uniquement dans les descriptions de ces vidéos. Allez, on va tout de suite commencer le let's play. Ryder, Robin, Uncle Sam. Il a pas changé lui, hein. Tell me why I didn't finish high school. Cause you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Cause you have put hands on that teacher for wearing baller colors. No. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir déjà fait cette mission. Mais je pense que c'est... En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait en let's play en vidéo. Mais en fait, je pense que c'est juste que j'ai juste trop fait deux fois ce jeu. Je l'ai déjà fait en vidéo. Je pense que je l'ai déjà fait en vidéo, mais bon, ça fait un an, hein, ça fait un an qu'on va pas retouché au let's play. Donc on va la refaire, mon gars, on va la refaire. Ouais, on a déjà fait cette mission, c'est obligé. Je m'en souviens. Mais c'est pas grave. On va la refaire version 2015, les gars. Le mec, je sais pas comment monter pour ma chaîne. J'ai vraiment plus d'idées, donc du coup, je fais des versions par rapport au mois de l'année. On va faire un let's play version automne, hiver, printemps, été... J'ai dit les saisons à l'envers, c'est n'importe quoi. This is the spot, motherfucker! Je sais pas si t'as fait gaffe aussi à ma... Oui, je parle pendant les cinématiques parce que tout le monde les connaît. Si tu connais pas les cinématiques de San Andreas et que t'es là en train de découvrir le jeu, eh ben commence par faire le jeu avant de regarder mon let's play, putain. Si tu regardes le let's play, c'est pour être avec moi, pas pour regarder le jeu. Ok? Le mec trop énervé, t'es... Bon allez, c'est parti. Alors logiquement, il y a un bonhomme là, voilà. Tu vois, là il nous a pas vu. Tac. Hey, stop where you are. Tire sur l'interrupteur pour voir le portail. Mais normalement, il est pas censé me voir, non? Pourquoi je le... Ah putain, mais oh, j'ai mon clic qui... J'ai mon clic, merde, droit qui bug. Hop, one shot pendant fuck. Pouf. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est quoi les touches? C'est avec les flèches, je suppose? Non, même pas. C'est avec quoi les chiffres? Voilà, ok. Putain, s'il y avait une technique pour les prendre deux par deux, ces putains de caisses. Allez! Et d'une! C'est le cadeau de la maison, mon gars, allez! Il en sort partout! Allez, c'est bon, tu vas me démerder, mon gars. Il m'en reste plus qu'une. Si j'échoue une mission, je crois que je pleure, mais vraiment. Parce qu'en fait, j'ai tellement... Si vous voulez, là, on est vendredi soir. Je pars en week-end, donc je serai pas chez moi ce week-end. Du coup, aucune possibilité pour moi de vous poster les vidéos. Parce que vu que maintenant, il y en a deux par épisode, si vous voulez, pour moi. Et Ok, mec. Et en gros... Putain de merde. Allez, c'est parti. Et en gros, du coup, je vais être obligé de faire limite une nuit blanche pour vous faire les montages et poster la vidéo. Donc si vous voulez, c'est pas... C'est pas super, en plus j'ai perdu du temps pour lancer le jeu. Donc tout va bien, tous les facteurs sont réunis pour faire une bonne vidéo de merde où le mec est bien forcé, le mec a pas envie de la faire, le mec a juste envie d'aller se coucher.
je sors de la salle, j'ai bossé aujourd'hui, je suis crevé. Donc vous me faites chier, mais je le fais pour vous. Putain. Damn! Mais ce véhicule n'a pas de frein. Putain, mais qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que je branle? Attends, là je comprends. Normalement on doit lui faire lancer. En fait ils ont dû marquer en haut la touche pour lui faire lancer les caisses, mais je les ai pas retenues. En fait j'ai carrément pas... Putain, j'ai essayé toutes les touches mais j'ai pas de fan de conneries. Oh, je vais me pendre. L'homme est vraiment trop mauvais. Putain, c'est pas possible. Putain, faut que je sois plus attentif à mon jeu, là, bordel, je vous parlais de quoi, en plus? Je vous parlais que ce week-end, je serais pas là. Putain, qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux? Et bah, vous savez quoi, on va changer de mission, on va aller avec OG Locke, là. Ce qui m'a gavé. Putain, le let's play va avancer à une vitesse si je suis nul comme ça. Putain, mais... Le flic se jette sous mes roues et après... Et après on dit voilà, c'était un chauffard, machin, alors que les flics sont juste suicidaires parce qu'ils ont un boulot de merde. Putain, ça m'énerve, ça. Mais tu es éternel, le mec a une tête de burger. Okay. Ouais, ok. Pff, bosser pour un tocard pareil, des fois je me demande pourquoi j'étais là, quoi. Putain, Venice Beach. Putain, j'ai l'impression d'y être. Là, dites-vous qu'avec Quentin, on était là, avec Roxt, on était là, on a fait du vélo ici, là. C'est beaucoup plus grand, en vrai. C'est... interminable. Et notre appart était pas très loin. Oh non, putain, un épisode où il faut danser. Mais je suis déjà nul en danse dans la vraie vie. Pour, quoi de neuf? Pour une réponse négative N et positive Y. Bah ouais, ça va. Donc, bah, toujours réponse positive, alors. Putain, regardez comme les mecs... Alors, je sais plus si les flèches directionnelles, c'est... les flèches. Je crois que c'est les flèches. Enfin, les numéros, je veux dire. Hey, hey, hey. Non, c'est les flèches. Du 4, c'est... Je me rattrape. Tu vois, je ne suis pas un mauvais danseur. Allez-vous te soigner. Allez-vous te soigner. Je me concentre un peu, je suis désolé. Je dois avoir une tête de con, bordel. Oh. Putain, c'est chaud, bordel, hein. Vous imaginez pas la concentration que ça me demande pour être aussi mauvais. C'est bien. On va ailleurs. Yes. Que je monte là-dedans, ok. Vole la camionnette de la sonne. Ok, je voulais pas rentrer dedans. Et genre les mecs ont des flingues, ils étaient en train de danser sur la plage, mais non, les mecs ont des flingues, tu vois. Parce que c'est GTA, mon gars, c'est gangsta. C'était ma séance doigt aujourd'hui.
T'imagines les séances d'eau en muscu. L'objectif c'est vraiment de se muscler les doigts aujourd'hui, c'est vraiment d'aller tirer sur les phalanges et puis d'apporter un maximum de volume musculaire au niveau des phalanges. Je dis n'importe quoi. C'est la fatigue. Je sais qu'après il me reste le montage et tout. Donc. Raph Killer, le youtubeur qui ne fait que de se plaindre. Allez, OG-Lock, c'est pour toi mon gars. C'est pour toi frère. Et là il va être là toujours avec son... Ah non mais non. On va juste l'appeler et lui dire « Eh mec ! Ouais ? Vas-y, va récupérer la camionnette avec la sono. Ok mon gars. » Non même pas parce que c'est pas GTA 5, y a pas les téléphones. Enfin, si y a les téléphones portables, je crois qu'on appelle jamais les gens. Enfin on les appelle pas souvent en tout cas. Oh putain, un tag ! Un tag bordel ! Ça c'est vraiment le défi. Alors attends, est-ce que j'ai une bombe de peinture déjà ? J'ai rien du tout. Allez ! Bonne soirée, à très bientôt. Ça m'a fait plaisir. Toi je te retiens toi par contre, je reviendrai mon gars avec plein de bombes de peinture de toutes les couleurs. Enfin surtout vertes mais... Les flics. Ça par contre c'est toujours... C'est comme ça dans la vraie vie. Hein. Genre tu vas... Bon ils se tirent peut-être pas dessus. Mais il y a des flics partout aux États-Unis. Laisse tomber. Office Tempany. Alors asshole, ils traduisent par connard mais ça veut dire trou du cul hein, littéralement. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, come. Oh, I got to go scoop her up. Alright then, come on. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle lui ressemble? Cousine. C'est elle? Ah putain, d'accord, c'est ta grand-mère, pas ta cousine, mon gars. Qu'est-ce que toi? Ah, c'est peut-être elle par contre. C'est énorme, le petit plan de caméra avec les deux requins. Je vais lui taper le micro, pardon. Les petites pousses toutes fraîches sorties. D'accord. Excusez-moi, José. Yo soy el grando smokey, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffee, yo, up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him smoke. Yeah, get that shit now. Get him. What you talking about? Yeah, fuck a big smoke. Remember that name. Remember that name. C'est génial. Allez, on lui colle au cul. Okay, j'ai oublié que c'était une mission de merde comme ça. Et voilà, Big Smoke. Si t'as arrêté de bouffer des burgers et de fumer aussi. Tu serais une bête. Tu serais énorme et sec. Ah, maintenant qu'ils l'ont bien laissé prendre de l'avance, c'est avec leur cinématique de merde. Pourquoi c'est toujours comme ça, j'étais... J'en ai marre. Et genre tout le monde me tire dessus, tu sais. Allez mon gars, je te rattrape là, j'y sens. Par contre j'ai pas de flingue donc tu te calmes. Non mais mon gars, c'est bon. Mais de quoi, you got a problem? Bien sûr que j'ai un problème. Mais le mec, il a un flingue à la main en plus. Allez, j'arrête là, mais putain, c'est n'importe quoi ce jeu, je vais oublier. Et on va voler voiture de Malès, parce qu'ils sont moches et qu'ils fument. Et que c'est pas bien de fumer, voilà, je fais ça pour ta santé mon petit. Allez, à très bientôt, salut. On va aller à CV là. On va aller présenter notre curriculum vitae. Vitae, enfin vitae, je sais pas comment on se prononce, j'ai jamais fait de latin et puis je vous emmerde.
Et la violence du mec, putain, oh là là, les jeux vidéo rendent violents, hein, on l'a toujours dit. Mais les mecs, je leur fais rien, je leur passe devant, ils m'allument. Voilà. Voilà la logique de GTA San Andreas. On va faire encore une mission, et oui, on est à... à 29 minutes maintenant, bientôt, pour la version longue. Et puis les versions courtes, j'essaierai de les faire durer environ... une dizaine de minutes. À peu près. Ça vous évitera de regarder plus de 30 minutes si... si ça vous fait chier les vidéos longues, tout simplement. Puis si vous préférez les vidéos longues, ben, rien ne vous empêche d'aller voir. Vidéo longue. Voilà. Bien. Comme ça. Conchota sinchota. Ça a beau être un tas de pixels, la sœur à CJ, je la baise. Non mais il me faut une autre voiture, c'est pas possible. Hein. Regarde ça! La ville est vide! Ouais, je préfère la faire avec un caddie. Hein. Nique sa mère, je l'ai fait avec un caddie, mon gars. Qu'est-ce que je m'en balais? C'est soit ça, soit une bagnole avec un pneu crevé. Putain, il demande absolument une caisse. Mais non, mais sérieux, mais c'est quoi ce jeu? Non, mais sans déconner. Et ben on va la faire comme ça, les gars. Si ça se trouve, ça va me la réparer, hein. Que dalle, elle est comme ça, ma bagnole, ça. Et là, il y a des bagnoles qui apparaissent de partout. Putain de script. Comme ça se trouve, je vais les allumer. Mais oui. Mais oui, mais c'est un avantage d'avoir une roue crevée. Fais gaffe, ces mecs aiment pas perdre. Je me souviens de cette phrase. Eh oui, mais oui, mais vas-y. Mais si je vais mes 4 roues là, je l'annulerai quoi. En fait, dès que je tourne à droite, ça dérape carrément vite, ça laisse tomber. Putain, mais ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, ça par contre. Putain, mon parcours est semé d'embûches. Ah, 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 c'est bon, ça va passer, les gars, ça va passer. Pff, il a défoncé un flic, lui, je crois, non? C'était un flic sur la gauche. Moi j'ai défoncé une pute. Enfin, en même temps, c'est pour ça qu'on a des putes. Blague lourde. Toi, tu t'es planté, mon gars. Si je finis troisième, c'est... je gagne quand même la mission. Ouais. Je pense, du moment qu'on est dans les trois premiers, je gagne. Échec de la mission. Fils de pute, fils de pute, fils de pute. Je te le redis une dernière fois. Fils de pute. Là j'ai mes 4 roues, mon gars, j'ai mes 4 roues. Et là t'as un enculé, tu sais. Un balas sur le côté. Pou pou. Il tire que sur moi. Ah, déjà premier là. Alors là tout à l'heure j'étais parti en couille. J'ai fait. Ouais, j'ai refait pareil, mais une voiture m'a stabilisé. Regarde déjà ce que je leur mets dans la vue. Ah, déjà. Ah, de la facilité que j'ai. Pleure. Mais bon, là c'est la dernière ligne droite. Je suis relativement confiant. Tant qu'à ma victoire, la lune est vraiment énorme dans ce jeu, j'avais oublié ça. Putain, l'effet de flou! En tout cas, je pense que la vidéo va s'arrêter là, regardez. Un endroit où je suis réellement allé avec Quentin. Alors, en vrai, le parc est plus grand. Enfin, en gros, c'est un parc. Il y a genre une montagne russe qui passe. C'est un peu plus en fait, GTA V est plus proche de la réalité, à ce niveau-là. Et ouais... Après, vous voyez, nous, on est monté là-dessus, quand même. Dans celle-là, on est monté avec Quentin. Dans celle-là, et on a fait des tours de manège. Et on a pris des photos, parce que là-bas, il y avait les montagnes, là-bas, il y avait la plage, et tout, et tout. Donc voilà, voilà ce qu'on a fait. Non, voilà, écoutez, plus sérieusement, je vous dis à l'épisode... Là, c'était le 6, je crois. Ouais, je crois que c'était le 6. Donc à l'épisode 7, 7 qui est... 7 qui est mon chiffre fétiche, donc normalement ça devrait être un putain d'épisode où je devrais réussir toutes les missions. dites-moi si cette comment dire, cette répartition des épisodes en tant que épisode version courte et épisode long, ça vous plaît. Ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires, vos avis là-dessus. Je vous fais plein de bisous.
Et puis, à ciao les gars. Bisous.